John chapter 3 verse 8, I read. He that committeth sin is of the devil. For the devil sinneth from the beginning. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Hallelujah. Behind the microphone, I am Elder Ashu Dambe. And so tonight, it's time for the word of God. We have just read from the book of 1 John chapter 3 verse 8, talking about the Son of God, who was manifested that he might destroy the works of the devil. Tonight, we're going to, the theme of our meditation is the manifestation of the sons of God. Hallelujah. The manifestations of the sons of God. Who is a son of God? You and I, we are born again. We are sons of God. You have given your life to the Lord Jesus. You as a child of God, you as a born again Christian, you are a son of God, because you have been washed with the blood of Jesus. You have been sanctified by the blood of Jesus. You have been cleansed by the blood of Jesus. And therefore, Jesus has embraced you. Jesus is the Lord over your life. Jesus dwells in you. He reigns in you. He lives in you. Hallelujah. So you are the Son of God, the Son of the living God. So tonight, as a son of God, we are bound to manifest something. What do you manifest as a son of God? You are bound to manifest something. There is something in you that God has planted that qualifies you to be his son. And as a son of God, there is something that has been planted in you. There is a right that you have. There is a privilege that you have as a son of God. Hallelujah. And so tonight, I want us to know that we are sons of the living God. If you have not yet given your life to Christ, you are out of question, because you are not part of this message. But I want to encourage you that in order for you to be part of this message tonight, you have to give your life to Jesus. Let him be your Lord and let him be your personal Savior. Hallelujah. And so tonight is another time, another opportunity that we are coming together to share the word of God. And this word is going to bless somebody. Hallelujah. And si, bienvenue mon frère. Merci, merci bien. Nous sommes ensemble une fois de plus. Merci, j'étais un peu empêché par quelques... Non, sans problème, nous sommes toujours ensemble. Mais aujourd'hui, nous parlons au sujet des fils de Dieu. Ah oui? Et c'est, nous sommes déjà dans le début de ce message. D'accord. Donc nous allons continuer. D'accord. Ok, as I was saying... Comme je disais... That we are sons of God. Que nous sommes des fils de Dieu. And as sons of God, et en tant que fils de we Dieu, have some rights. Nous avons des droits. We have some privileges. Nous avons quelques privilèges. That God has bestowed. Que Dieu nous a donné. Upon us. Que Dieu nous a donné. So as a son of God, donc en tant que fils de Dieu, you have your rights. Tu as tes droits. You have the right. Tu as le droit. To the kingdom of God. Au royaume de Dieu. If you belong to a family, to a si house, vous appartenez à une famille, à une maison, you have the rights to the things of that house. Vous avez le droit aux choses de cette maison. My son has the rights. Mon fils a le droit into the kitchen. Au, à la cuisine. Into the parlor. Dans le salon. He has the right. Il a le droit to touch the television. À toucher le, la télévision. He has the right. Il a le droit to enter into my room. D'entrer dans ma chambre. But I cannot go to your house. Mais je ne peux pas entrer dans ta maison. I just touch the television in et commencer à toucher ta télévision. I cannot go to your house. Je ne peux pas entrer dans ta maison. I cannot go to your house. Je ne peux pas entrer dans ta maison. And just enter into your kitchen. Et commencer à entrer dans ta and cuisine. Open your porte.
et à ouvrir tes bar mitzvahs. I don't have that right. Je n'ai pas ce droit. But my son, mais mon fils, has the right. A le droit. So I want you to know. Mais je voudrais vous faire comprendre that as a son of God, en tant que fils de Dieu, there is something that you must manifest. Il y a quelque chose que vous devrez manifester. You have to manifest your right. Vous devrez manifester vos droits. As a child of God, en tant que fils de Dieu, you have to manifest. Vous devrez manifester. If my child enters si my kitchen, mon enfant entre dans ma cuisine, he's manifesting his right. Il est en train de manifester ses droits. I cannot stop him. Je ne peux pas le stopper. Because it is his right. Parce que c'est ses droits. It is his right. C'est son droit. To put on the television. D'allumer la télévision. That is his right. C'est son droit. He's manifesting. Il est en train de manifester. The right that he has. Le droit qu'il possède. So as a child of God. En tant qu'enfant de Dieu. God has endued in you. Dieu t'a donné. Certain rights. Certains droits. The problem. Le problème. Is that we are so confused. C'est que nous sommes tellement confus. We don't know the rights. Nous ne connaissons pas le droit. God has given to us. Donné par Dieu. We don't know that we have some rights. Nous ne connaissons pas que nous avons cette. So I want to say to donc somebody, je veux dire à quelqu'un that you have the right. Que tu as le droit. Except you are not the son of God. Sauf si tu n'es pas enfant de Dieu. If you know you are not the son of si God, tu sais que tu n'es pas enfant then de Dieu, you don't have any rights. Donc tu n'as pas le droit into the kingdom of God. Au royaume de Dieu. But as far as you are a son of God, mais aussi longtemps que tu es enfant de Dieu, as far as you are born again, aussi longtemps que tu es né de nouveau, Christian, rempli d'esprit, you have the right, tu as le droit to what God has bestowed, à ce que Dieu t'a donné. But one thing that confuses us a lot, mais une chose qui nous rend dans la confusion, is that the devil come to tell you, c'est que le diable vient te dire that you have no right, que tu n'as pas de droit. The devil come to tell you, le diable vient te dire, and makes you feel so discouraged, et te fait te décourager, and makes you backslide, et te fait rétrograder, and makes you run away from God, et te fait te séparer de and Dieu, and deviate your attention from et God, dévie ton attention de Dieu. The devil come to deviate your donc attention. Le diable vient dévier ton attention. The devil come to confuse. Le diable vient te rendre dans la confusion. And so tonight, donc ce soir, I want to reassure you. Je veux te rassurer. I came to reassure you. Je suis là pour te rassurer. Que vous avez un droit. That you have a right. You have je viens vous rassurer. I came to reassure que you. Vous avez un droit. That you have a right. Que Dieu vous a donné. That God has given you. Tu as le droit. You have the right. De vivre en paix. To live in peace. Malgré les problèmes. Despite the problems around malgré you. Malgré les troubles. Despite the troubles. Vous avez le droit. You have the right. De vivre en paix. To live in peace. Je sais qu'il y a des problèmes. I know that there are problems. Alors, je sais qu'il y a des difficultés. I know there are difficulties. Mais tu as le droit. But you have the right. Malgré la fête. Despite the fact. Qu'il y a des problèmes. That there are problems around you. À gauche et à droite. On the left and the right. Dans le bureau. In the office. Dans les familles. In the family. Malgré la fête qu'il a despite ces problèmes. Despite the fact that these problems are there. Dieu vous a donné la paix. God has given you peace. C'est votre droit. It is your right. C'est votre droit. It is your right. De récolter cette paix. To have this peace. C'est votre droit. It is your d'avoir right. D'avoir cette paix. To have this peace. C'est votre droit. It is your right. D'avoir la défense. To be protected. D'avoir la protection. To be protected. De vivre dans la protection. To live in protection. C'est votre droit. It is your right. Dieu vous a donné. God has given it to you. À travers la croix. Through the cross. Jésus Christ nous a donné. Jesus Christ gave la victoire. The victory. Quand il est mort sur la croix. When he died on the cross. When he died on the cross. Lorsqu'il est mort sur la croix. He gave the devil a knockdown. Il a donné un chaos au diable. And the knockdown result. Et le chaos a mis le diable au jeu. So the devil donc le does diable not have that power again n'a plus cette puissance your life. Sur ta vie. So I want you to wake up, my brother. Donc je voudrais vous réveiller, mes frères. I want you to wake up, my sister. Je voudrais vous réveiller, mes sœurs. You have been tormented for so long. Vous avez été tourmenté pendant because longtemps. You don't know your rights. Parce que vous n'ignorez vos when droits. You start manifesting lorsque your vous rights, commencez à manifester vos when droits, you start manifesting lorsque vous commencerez what is in you, à manifester ce qui se trouve when you start en vous, start lorsque vous allez commencer à manifester ce que Dieu you, a planté dans vous, you will see yourself, vous allez vous voir the head, la tête. You will see yourself, vous
allez vous voir mener une vie de victoire? Est-ce que quelqu'un peut crier un grand amen? You are man, a son that is supposed to manifest. Tu es un fils qui devrait manifester. You are supposed to manifest. Tu es supposé manifester. If you are not yet manifesting, si vous ne manifestez now pas, it's time to manifest. Maintenant c'est le moment de manifester. Manifeste ce qui se trouve en vous. The moment you start manifesting, lorsque vous allez commencer à manifester, the other things that are not supposed to be there, les autres choses qui ne sont pas supposées être en place, the enemy came and planted, que l'ennemi est venu s'aimer, they will start falling off, vont commencer à tomber, they will start dropping, vont commencer à tomber. Can you imagine? Imaginez-vous. Can you imagine, my brother? Imaginez-vous, mes frères. Can you imagine, my sister? Imaginez-vous, mes sœurs. God planted a good plant in you. Dieu a semé un bon semence en vous. The enemy came. L'ennemi est venu. And planted tares. Et a semé l'ivraie. Can you imagine that? Pouvez-vous imaginer cela? It is not supposed to be so. Ça ne devrait pas être ainsi. The tares are not supposed to be there. L'ivraie ne devrait pas être but là. The enemy, mais l'ennemi is very cunning. Est très rusé. He came and planted tares. Il est venu semer l'ivraie. That is why you are sick. C'est pour cela que vous êtes malade. That is why you are down. C'est pour cela que vous êtes opprimé. Because the enemy came. Parce que l'ennemi est venu. While you were asleep. Lorsque vous dormez. And he's the one that provoked you to sleep. Et c'est lui qui vous a provoqué à dormir. He knows that when you are awake. Il sait que lorsque vous êtes éveillé, you will not be able. He will not il be able. Il ne sera pas capable. To sow tares in your life. De semer les vrais dans ta vie. Now he has come. Maintenant qu'il est venu. And sowed tares. Et a semé les vrais. And now you are asleep. Et maintenant vous êtes endormi. Now you are sick. Maintenant vous êtes malade. Now you are booked for an operation. Maintenant tu es appelé pour l'opération. Now they have booked you maintenant, for a mission. On t'a appelé pour l'opération. Now they have booked you for admission. Maintenant, on t'a admis à l'hôpital. Ou bien interné dans l'hôpital. Interné voilà. À l'hôpital. Voilà. On vous a interné dans l'hôpital. You've been booked in to for admission in the hospital. Ce n'était pas comme ça dans le début. It wasn't like this from the beginning. Ce n'était pas comme ça. It wasn't like that. Tout ce que je dis maintenant, all I'm saying now, c'est qu'il faut que tu commences à te manifester. Is that you should start manifesting. Commence dès maintenant. Start right now. Mais comment on va commencer par comment? But how are we going to start? On commence quand on a la connaissance. We start when we have the awareness. Que nous sommes les fils de Dieu. That we are the sons of God. Plusieurs chrétiens ne savent même pas. Many Christians do not know. Qui sont les fils de Dieu? That they are the sons of God. Si tu as cette connaissance, if you have this knowledge, que tu es fils de Dieu, that you are a son of God, et que tu as le droit, that you have the right, du royaume de Dieu, into the kingdom of God, les choses vont commencer à changer dans votre vie. Things will start to change in your life. That is how you start manifesting. C'est comme ça que vous allez commencer à manifester. Because you have discovered. Parce que vous avez découvert. That is a right. Que vous avez des droits. You have discovered. Vous avez découvert. Your origin. Vos origines. You have discovered. Vous avez découvert. Who you are. Qui vous êtes. As soon as you know who you are. Tout comme vous allez comprendre qui vous êtes. You start moving in a different vous allez dimension. Commencer à prendre une autre dimension. So my brother. Donc mon frère. My sister. Ma sœur. Know who you are from today. Connais qui tu es à partir d'aujourd'hui. At times when somebody wants to try you. De fois lorsque quelqu'un veut t'essayer. That person. Tu as dit à cette personne. Do you know who I am? Connais qui je suis? Do you know who I am? Est-ce que tu connais qui je suis? Open your eyes to that person. Tu ouvres tes yeux à cette personne. The person start running away. La personne va commencer à s'enfuir. La personne va commencer à trembler. La personne va commencer à trembler. Manifest that. Manifeste to that problem. À ce problème. Tell that problem. Dis à ce problème. Do you know who I am? Est-ce que tu connais qui je suis? Tell that sickness. Dis à cette maladie. Sickness. Maladie. Do you know who I am? Est-ce que tu connais qui je suis? That attack, dis à ces attaques, that oppression, ces oppressions, that demon, ces démons. Do you know who I am? Connaissez qui je suis? But what do we do? Mais qu'est-ce que nous faisons? When they come press you, ils viennent t'opprimer. You start crying. Tu commences à pleurer. You start crying. Tu commences à pleurer. You start working to find oil. Tu commences à chercher l'huile d'onction. You start working to find water. Tu commences à chercher l'eau. You say what spray, not the spray water. Maintenant c'est l'aspersion d'eau. Since my mommy born me. Depuis que ma mère m'a aspergé, je n'ai jamais vu là où on asperge l'eau. I don't see that today. C'est aujourd'hui. Where the spray water like shit talks. Que l'eau est aspergée comme oh God. Le shit talks.
L'esprit va-t-elle les chers d'oxy? L'eau est aspirée comme l'insecticide. Voilà, had esprit